Donc, pour le spoiler, j'ai une petite note. J'ai une petite note. Je vais essayer de trouver à chaque fois chaque élément comme jeu de... Enfin, je vais essayer de montrer chaque élément à chaque fois que j'en parle. Donc, tout ça, tout ce que je vais raconter maintenant, là, c'est pas apprendre au 100%, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit. Enfin, voilà. C'est un peu un regroupement de tout ce que j'ai pu entendre ou j'ai pu lire. Alors, en premier, Metal Gear Solid, The Phantom Pain, alors, commencera apparemment à la scène de l'hôpital, ce qui est logique. Enfin, de toute façon, ça va, on y avait déjà pensé. C'est que ça va reprendre l'histoire, en fait, exactement où l'histoire s'arrête dans Ground Zero. Donc, Ground Zero, c'est quand Big Boss est sur la table d'opération dans l'hôpital. Donc, la scène de l'hôpital, on va la jouer. Apparemment, c'est une scène extrêmement longue. C'est une sorte de tutoriel. Apparemment, ça fait extrêmement peur. Bon, peut-être pas extrêmement peur, mais pour du Metal Gear, je veux dire. Le thème est plutôt horreur, parce qu'en fait, Big Boss se réveille de 9 ans de coma. Il peut pas bouger, il n'arrive plus à bouger, il sent pas ses membres. Donc ça, en fait, on le ressent énormément apparemment, parce qu'il y a des gens qui ont déjà joué, en fait, et ils m'ont expliqué, en fait, comment ils ressentaient ce moment du jeu. C'est une sorte de tutoriel, voire pour dire pressé, mettez-vous contre un mur et Big Boss va se plaquer au mur, etc., etc. Mais apparemment, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment, on a l'impression d'être Big Boss et de pas avoir le contrôle complet en fait de notre corps, de réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser des trucs. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et cette scène de l'hôpital est extrêmement bizarre. Et fait peur parce qu'on doit éviter les gens qui attaquent l'hôpital. Il y a des phénomènes extrêmement étranges si vous avez vu le trailer avec Moby Dick. Il y a ça, il y a des trucs bizarres. Il y a Psycho Mantis, enfin le Young Mantis, sûrement peut-être qui nous fait des hallucinations, tout ça. Enfin voilà, ce début de The Phantom Pain est extrêmement prenant, extrêmement bien. Donc après, ce que j'ai entendu, c'est que après cette scène-là, donc c'est Ocelot en fait qui nous sauve, apparemment. Et donc après, bon, en gros, c'est on est envoyé en Afghanistan pour sauver Kaz. Et après, une fois qu'on a récupéré Kaz, donc Kaz Miller, hein, c'est là qu'on va apprendre comment refaire la Mother Base. Et là, et après, en fait, le jeu se lance. Donc en gros, si vous connaissez pas vraiment le jeu, que vous savez pas si ça va vous plaire. Le mieux, ça serait de jouer la première mission, jouer la deuxième, et après, une fois la Mother Base débloquée, vous jouez ça et vous voyez si vous aimez vraiment le jeu. Parce que le début, c'est un tutoriel, le deuxième, c'est pour ouvrir au monde, au open world, en fait, c'est pour ouvrir à ça. Et après, c'est avec on a la Mother Base et on a tout de disponible et tout ça. Donc vraiment, apparemment, le début du jeu est extrêmement bien fait, il est pas chiant du tout, pas long, enfin pas... Comment dire, pas long dans le temps, mais long, genre les choses sont chiantes à faire, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Apparemment, le début du jeu est vachement intense et vachement bien. Donc il y a ça. Après, alors qu'est-ce que j'ai mis dans ma petite note? Le gameplay de The Phantom Pain est extrêmement, beaucoup, énormément mieux, mieux que Ground Zero, apparemment. Beaucoup de gens, en fait, maintenant voient Ground Zero comme une sorte de test. Avec le gameplay basique, le basique du nouveau gameplay que Kojima a créé. Et en fait, The Phantom Pain est genre le gameplay, mais puissance 20. Apparemment, le gameplay est extrêmement beaucoup mieux. Snake réagit beaucoup mieux quand on le manipule avec les joysticks. Par exemple, c'était très chiant dans Ground Zero, par exemple, pour se plaquer contre un mur et avancer contre le mur, genre à la fin d'un mur pour essayer par exemple d'attraper quelqu'un, tout ça. Ça c'était chiant parce que Snake avait tendance à se décoller du mur alors que nous on voulait pas quoi. Et apparemment ça c'est tout parfait. Enfin dans The Phantom Pain le gameplay est extrêmement bien, il n'y a aucun problème, Snake répond extrêmement bien et beaucoup mieux que Ground Zero. Donc niveau gameplay c'est encore mieux. Donc ça c'est cool. Il y a aussi... le fait que maintenant marquer des ennemis, en fait, vous savez, hein, quand vous les focussez, en fait,
Vous pouvez les marquer sur la map, sur votre iDroid et tout ça. Et vous pouvez les voir à travers les murs. Donc ça, plus on le fait, et plus on gagne de points aussi. Donc, en gros, ça va avec le thème de d'être un véritable mercenaire agent. Et de penser avant d'agir, en fait. D'être un tacticien, dans un sens. C'est-à-dire que plus on marque de cibles, plus on va gagner de points. Plus on... C'est pas lié au temps. Bon, bien sûr, si on met 5 ans à faire une mission, c'est trop. Mais... Le jeu, en fait, nous pousse dans un sens à analyser la zone de la mission, analyser ce que font les ennemis, essayer de pas se voir. Enfin, voilà. Le jeu est extrêmement bien. Aussi par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se disent « Oui, mais bon, moi, je veux faire l'infiltration, mais ne pas tuer, je trouve ça bête. L'infiltration, c'est pas ne pas tuer. C'est vrai que l'infiltration, ça peut être aussi tuer tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est aussi... Et ben, The Phantom Pain, en fait, s'ouvre... dans ce domaine-là, parce qu'on sait que, si vous avez joué au Metal Gear précédent, on sait que Metal Gear nous pousse à ne pas tuer. En gros, c'est ça. C'est nous pousser à pas tuer les gens. Mais apparemment, The Phantom Pain s'ouvre un peu pour ça, c'est-à-dire que vous pouvez alors y aller sans tactique, c'est-à-dire tuer tout le monde. Par contre, il faut bien jouer, c'est-à-dire qu'il faut faire des headshots, ne pas se faire toucher, essayer le moins possible en tout cas. Faire des headshots parce que ça compte aussi, on va avoir plus de points à la fin. Donc c'est possible en fait d'avoir un S en tuant tout le monde. Voilà, c'est ça la nouveauté de The Phantom Pain, c'est très ouvert par rapport à ça. On peut le faire en complet... j'ai oublié mes mots. Sans tuer les gens, on peut faire ça et avoir un S, mais on peut tuer tout le monde aussi et avoir un S. Donc ça, c'est très bien pour nous. D'avoir ce choix là, parce que moi je vais beaucoup aimer ce choix là. C'est pas que je veux tuer tout le monde, mais ça change. Donc il y a ça qui est très intéressant. Après on a toujours le mode réflexe qu'on peut toujours enlever. Par contre beaucoup de gens en fait m'ont dit que le mode réflexe était assez utile dans The Phantom Pain. Peut-être plus que dans Ground Zero, parce que le jeu est quand même assez dur. Alors bon, ça je laisse en suspens. Pour moi, je ne jouerai pas avec le réflexe, mais bon, on verra ça. Donc, une fois qu'elle est sauvée, on a la Mother Bay. Qu'est-ce que j'ai mis encore d'autre? Alors, par rapport au jeu, comment ça va jouer, donc c'est comme j'y avais pensé. Donc, on a des missions d'histoire. Donc en gros c'est comme du Witcher 3, hein. On a des missions d'histoire et on a des missions secondaires donc pour débloquer des choses ou débloquer plus d'hommes, enfin voilà des trucs comme ça. On a ça, apparemment pour les boss, alors vu que c'est un open world, apparemment les boss peuvent apparaître un peu au hasard. De ce que j'ai compris, c'est que on peut faire une mission genre normale ou même une mission secondaire. Et peut-être que des événements en fait vont déclencher un boss. Alors ça reste très intéressant. Je suis pas sûr en fait si c'est exactement comme ça, mais apparemment les boss peuvent apparaître à des moments où c'est qu'on l'attend pas du tout. Voilà. Voilà. La personne qui m'a dit ça, c'était que en gros des fois il y a des moments où on sent qu'il va avoir un boss. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. On sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc on sait qu'il va avoir un boss. Des fois non, des fois le boss arrive de nulle part. Donc voilà, donc je trouve ça très intéressant d'être toujours en fait sur le qui-vive par rapport au jeu, aux événements. Donc il y a ça. Le degré de customisation dans le jeu est poussé à perpète. La customisation est énorme dans le jeu. On peut custom l'arme qu'on veut, l'équipement qu'on veut apparemment. Les véhicules, tout ça, tout ce qu'on veut, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. On a ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Alors les missions, apparemment, une fois qu'on a fini l'histoire, alors ça c'est du peut-être, apparemment une fois qu'on a fini l'histoire, il y a des missions qu'on peut rejouer, enfin même quand on n'a pas fini l'histoire, il y a des missions qu'on pourra rejouer en plus dur, il y a des... oui, aussi ça, la difficulté du jeu en fait, il n'y a pas de difficulté apparemment dans le jeu. Mais ça c'est normal, pourquoi? Parce que ce monde en fait évolue par rapport à notre gameplay. Comme les trailers disaient, si on
on arrive dans un camp et on fait que des headshots tout le temps, en fait, les mecs vont commencer à avoir des casques sur la tête. Donc la difficulté augmente. Si on fait que du sniper, donc ça va être très facile de tuer les gens à distance, ok, on est d'accord. Par contre, si on fait que du sniper, les ennemis en fait vont commencer à avoir un sniper eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous tirer dessus à longue distance aussi. Si vous attaquez que la nuit, avec des jumelles de vision de nuit, donc vous avez un avantage, hein, bien sûr, par rapport à l'ennemi, et ben en fait, si vous faites que ça, que de nuit, ben les gens, en fait, aussi vont avoir des jumelles de nuit. Donc l'avantage, il sera plus là. Donc voilà, le jeu évolue avec votre gameplay, donc ça va être extrêmement bien. Et comme je disais, il y a des missions qu'on va pouvoir rejouer, comme dans Peace Walker, en fait. Et apparemment, une fois qu'on a fini le jeu, on va débloquer une sorte de nouvelles difficultés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des missions où c'est qu'on va être balancé dans la mission, genre au milieu de la zone. Il va pas falloir se faire voir, sinon c'est game over. Et il va et on n'a pas d'armes, genre on n'a aucun équipement du tout. Genre on est nu, quoi. Apparemment. Donc voilà, il y a des trucs qui vont avoir des putains de challenges super haut, la barre super haute par rapport à ça. Donc ça reste très intéressant. Donc voilà, au fur et à mesure, on va débloquer beaucoup de choses. Même si on finit le jeu, on va débloquer des choses qui vont nous durer des heures et des heures. Donc c'est pour ça que le jeu est vachement intéressant et a énormément d'heures de gameplay. Il y a ça. Alors après, maintenant, je vais parler un peu de l'histoire. Donc là, c'est vraiment le plus gros spoiler que je peux vous faire, ça va être maintenant. Donc si vous avez tenu le premier, faites attention au deuxième parce qu'il est gros quand même. Alors, on sait que il y a un truc bizarre avec Big Boss. Tout le monde dit, ouais, c'est pas Big Boss, c'est Grey Fox. Non, c'est pas Big Boss, c'est machin. Alors, apparemment, ça ne serait pas le vrai Big Boss. Ça serait pas le Big Boss, par exemple, à la fin de Metal Gear Solid 4, ou alors le Big Boss qu'on a dans Metal Gear Solid 3. Bon, ça, c'est pas nouveau. Moi, j'y pensais pareil. Alors, on a plus d'informations sur ça. Alors, comme d'habitude, ça reste... Ça, c'est pas du 100%. Apparemment, ça serait un des médecins, je crois, qui est dans l'hélicoptère avec Big Boss au moment de l'explosion. J'essaierai de mettre ce moment-là, en fait. Mais quand il y a l'explosion, quand il rentre à la Mother Base, Big Boss, à la fin de Ground Zero, il y a un des soldats, donc c'est un médic en fait, qui se met devant Big Boss, qui le pousse pour le protéger. Donc Big Boss en fait est sûrement brûlé, blessé, mais il n'a pas de shrapnel dans le crâne. Hein. Et on voit pas ce qui se passe, qui arrive en fait à cette personne-là, à ce médic qui a sauvé Big Boss dans un sens. Et ce médic-là était vraiment devant la porte ouverte de l'hélicoptère quand il y a l'explosion. Donc lui, je pense qu'il subit beaucoup plus de dégâts que Big Boss. Donc apparemment, ça serait lui. On jouerait ce médic-là. Ça serait Big Boss. C'est pour ça aussi que quand Big Boss est dans l'hôpital, on le voit sur la table avec Miller. Big Boss n'a pas de shrapnel dans le crâne. Vous savez, les morceaux de fer qui sont... il n'a pas ça dans le crâne. Donc là encore une fois, c'est pas normal, parce que l'explosion s'est passée, et vu qu'il les a pas, ils l'ont pas forcé quoi, c'est pas les docteurs qui lui ont mis les morceaux de fer dans le crâne. Donc voilà, donc encore une fois, plusieurs indices qui nous indiqueraient que ce n'est pas Big Boss et qu'on jouerait à un médic. Alors après moi j'ai des questions un peu bizarres, c'est que alors, en gros, un médic, un mec qui est normal, entre parenthèses, peut être un super soldat aussi fort que Big Boss. Bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, on va avoir plus d'histoires de toute façon quand le jeu sera sorti. Mais apparemment, ça serait ça. Voilà, on ne joue pas Big Boss. Donc, il y a ça. Après, on parle un peu plus de Skullface. Alors, Skullface, ça serait vraiment donc le méchant de The Phantom Pain. Alors, apparemment... Skullface, en fait, son projet, alors, à part gouverner le monde, en fait, il voudrait aussi arrêter Zero, donc Cypher, Zero, Major Tom, Major Zero. En gros, c'est celui-là qui a créé le projet des enfants terribles et tout ça, donc c'est le méchant de l'histoire, en gros.
Skullface, en fait, apparemment, crée un virus. Alors ça, c'est toujours hypothèse. Il a créé un virus qui s'attaque aux cordes vocales des gens. Alors, peut-être, je dirais oui. C'est vrai que dans plusieurs trailers, quand Skullface parle, il dit le visage des gens, leur voix, leur langue vont pas être tenus en compte. On n'en aura pas besoin dans son nouveau monde en fait. On n'aura pas besoin de différents visages, de différentes voix, de différentes langues. Enfin voilà, c'est ça. Il parle beaucoup de ça. Donc un virus qui attaquerait les cordes vocales, pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais oui, pourquoi pas. Et apparemment, en fait, ce virus-là, ça va être le plus grand danger de The Phantom Pain. Ça va être plutôt vers la fin du jeu, apparemment, ça va être surtout ça qu'on va devoir arrêter. On va devoir arrêter Skullface et ce virus-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit les Skulls. Donc moi j'appelle ça les golems parce que ça me fait penser à Parasite Eve 2. Ce sont les soldats là qui marchent comme des zombies et qui sautent partout, qui sont super rapides et super dangereux aussi. Donc ceux-là apparemment ce sont des expérimentations que Skullface a fait, tout ça. Quiet aussi en est une, c'est une expérimentation. Alors il y a des trucs bizarres sur Quiet. La dernière chose que j'ai vue par rapport vraiment le truc bizarre de Quiet, c'est que Quiet en fait n'est pas... C'est pas un homme, c'est pas une femme non plus, apparemment. Et sa poitrine serait en fait deux tumeurs par rapport aux expériences de Skullface. Alors, je sais pas, me demandez pas, je pense que c'est des conneries, mais c'est bizarre. Mais bon, fallait que je le dise quand même, mais parce que c'est ce que j'ai entendu. Mais je trouve ça un peu con. Quand même, deux belles tumeurs, elle a quand même deux belles tumeurs. Donc voilà, bon, ça c'était sur le truc de Quiet, mais bon, moi franchement j'y pense pas. Je pense que c'est juste une femme qui. Bon, ils ont fait des expériences dessus. Et après, ça va aussi avec le virus là qui attaque les cordes vocales. Ça va aussi avec le fait que Quiet ne peut pas parler. Elle peut que murmurer, elle peut que faire. Donc ça aussi, ça va en rapport avec ce virus là. Donc je pense que le coup de virus c'est vrai. Skullface apparemment va utiliser le Metal Gear qu'on voit là. Parce que normalement les Metal Gear ce sont des armes nucléaires, mais apparemment lui il veut s'en servir pour balancer le virus dans le monde entier. Donc c'est pour ça que Big Boss, enfin entre parenthèses nous Big Boss, va devoir arrêter Skullface, va devoir arrêter le Metal Gear et la propagation du virus. Il y a ça. Par rapport à la Mother Base aussi, apparemment la Mother Base peut se faire infecter. Parce qu'il y a une zone de contamination. Apparemment, on peut mettre des gens en quarantaine. Il y a une zone quarantaine dans la Mother Base. Alors, la première fois que j'avais entendu ça, je pensais c'est peut-être juste un nom. Comme ça, entre parenthèses, ils disent quarantaine, mais ça veut dire c'est peut-être pour des soldats ennemis, pour les interroger, etc. C'est peut-être pas un virus, quoi. C'est pas des trucs de zombies ou quoi que ce soit. Mais là, maintenant, en fait, avec cette histoire de virus. Apparemment la Mother Base pourrait se faire infecter et ou même peut-être à un moment dans l'histoire va se faire infecter et on va devoir combattre dans la Mother Base. Ça pourrait aussi coïncider en fait avec des trailers qu'on a vus où c'est que Big Boss est en train de tuer ses propres hommes. Voilà. Donc voilà, toutes les petites informations que j'ai eues en fait commencent à lier des points qu'on avait dans certains trailers. Donc, ouais, je pense que l'histoire, ça va être plutôt ça. On a Big Boss qui va devoir arrêter ce virus. La Mother Base va sûrement se faire contaminer à un moment. Enfin, voilà, ça va être vachement intéressant, je pense. L'histoire va être assez intéressante. Après, par rapport aux anciens Metal Gear, il y a les cutscenes sont très espacées les unes des autres et sont plutôt courtes. Alors après, c'est un bien pour un mal. Les gens, les fans, les crybaby, se sont plaints à Kojima en disant « Ouais, mais Metal Gear Solid 4, on passe son temps à regarder des cutscenes, on joue jamais, bla bla bla. » Donc en fait, bah, Kojima, il a entendu tout ça. Hein. Il a dit « Bon, bah cette fois, voilà, moins de cutscenes. » Donc le jeu a vraiment très peu de cutscenes et pas longues. C'est surtout du gameplay ce qu'on a. Donc, est-ce que c'est bien ou mal, je sais pas.
faut faire attention que en fait le gameplay ne prenne pas la place sur l'histoire. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont joué qui m'ont dit aussi bah moi je jouais plutôt pour le gameplay, mais pour l'histoire j'avais pas tellement envie de. J'avais pas envie plus que ça en fait de savoir le reste de l'histoire. J'aimais bien faire mes missions et tout ça, mais par rapport à l'histoire, j'étais pas tellement intéressé. Donc j'ai peur de ça. En gros, personnellement, c'est comme The Witcher 3. Moi, j'y jouais, mais l'histoire, je m'en foutais un peu. mais le gameplay était bien après. Les missions, tuer des monstres et tout, c'est top. Mais l'histoire, j'avais pas envie plus que ça, en fait, de faire de l'histoire. Donc j'ai un peu peur que Phantom Pain, ça soit pareil. Mais bon, l'histoire reste quand même intéressante avec des rebondissements, des trucs qu'on n'avait jamais idée. Voilà. Bon, moi, le plus gros point d'interrogation que j'ai, c'est pourquoi, en fait, ne pas être Big Boss. Pourquoi ne pas avoir été Big Boss à ce moment-là? Alors, dans l'histoire de Metal Gear, je sais que le corps de Big Boss est récupéré par les Patriotes, tout ça. Il est congelé. Big Boss est pas là pendant plusieurs années. En fait, pendant tout l'événement de Metal Gear 1, 2, 4, jusqu'à la fin du 4, Big Boss n'existe plus parce qu'il est en état de coma, tout ça. Donc voilà. Alors, peut-être que Zero, en fait, a récupéré le corps de Big Boss après les événements de Ground Zero. Et ils ont utilisé ce médic. Ils l'ont déguisé en tant que Big Boss. Et ils ont dit, bah voilà, Big Boss est là. Enfin voilà, je sais pas, c'est très bizarre. J'arrive pas en fait à comprendre le pourquoi. Pourquoi avoir fait ça, avoir changé de personne. Pour moi, ça a pas de sens pour l'instant. Donc on va voir ça dans l'histoire. Après aussi, par rapport au virus, là, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Apparemment, le virus, si vous avez joué à Metal Gear Solid 4, à la fin de Metal Gear Solid 4, on voit Zéro. On voit Big Boss en fait qui tue Zéro. Mais Zéro en fait est en état de. C'est un légume. Il est dans une chaise roulante. C'est un légume. Il est complètement. Il est mort hein, en fait. Hein. Il est plus ou moins mort. Apparemment, le virus de Skullface en fait attaquerait. Dans l'histoire de The Phantom Pain, à un moment, attaquerait Zéro et le plongerait en fait dans cet état de légume. Apparemment, ça serait à cause du virus que Skullface a créé. Donc bon, ça aussi, ça peut être intéressant par rapport à l'histoire de Metal Gear. Donc il y a ça. Parce que c'est vrai aussi que Zero, c'est vraiment le mec le puissant qui a créé l'intelligence artificielle des Patriotes et tout ça. Enfin, avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais... je vois pas pourquoi, en fait, le mec, il serait pas bourré de nanomachines, il serait pas surpuissant... parce qu'il contrôle le système dans un sens. Donc je comprends pas aussi, c'est vrai, pourquoi Zero n'est pas le méchant de la fin de Metal Gear Solid 4, par exemple. Pourquoi c'est un légume? Voilà. Et ben là, apparemment, on aurait la réponse, c'est à cause du virus de Skullface qui a foutu Zero dans un état de légume. Voilà. Ça serait possible. C'est vrai que là, ça mettrait, ça rallierait encore deux points dans l'histoire de Metal Gear. Intéressant. C'est à peu près tout ce que j'ai entendu, tous les gros trucs que j'ai entendu à peu près. Le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique, apparemment. Y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais par rapport à l'histoire, voilà, c'est les plus gros points que j'ai noté, qu'on m'a dit. Moi le seul point que je comprends pas pour l'instant encore, qui me paraît bizarre, c'est pourquoi on n'est pas le vrai Big Boss. Voilà, pourquoi on n'est pas le vrai Big Boss. Donc si vous avez peut-être des commentaires à faire sur ça, parce qu'on va s'arrêter là de toute façon, si vous avez des commentaires par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a beaucoup de choses hein, par rapport au virus, à Skullface, à Zero, Quiet. Bon, Quiet, c'était un peu... Je pense que c'est n'importe quoi, l'histoire de... Que c'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est bizarre. La contamination du virus. Tout ça. Le début de Phantom Pain va être énorme. Le début va être superbe. Aussi, on n'a pas le codec dans ce jeu-là.
Enfin, si on a le codec, là, il y a, enfin, c'est pas un codec, mais Miller et Ocelot nous parlent constamment, mais on va pas avoir de longues séquences de dialogue comme dans les anciens Metal Gear, en fait. Apparemment, tous ces dialogues-là, on va pouvoir les écouter sur des cassettes qu'on va trouver tout au long du jeu, et en fait, on va pouvoir les écouter comme une musique pendant qu'on joue, pendant qu'on fait une infiltration, pendant qu'on fait n'importe quoi. Donc, ça, c'est bien dans le sens où c'est que, bah, du coup, on est libre de les écouter ou pas. Et quand on les écoute, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est vrai que on va peut-être pas y penser à les écouter, donc on va peut-être pas comprendre toute l'histoire. Mais voilà, ça, c'est un truc, c'est un point que je mettrai à l'honneur. Peut-être que je ferai des vidéos juste en fait pour écouter les la conversation. Comme ça, on pourra développer sur l'histoire et en parler ensemble. Ça va être intéressant. Toujours pour les fans de Metal Gear Solid. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des commentaires sur tout ce que je viens d'expliquer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc 6 jours encore, je crois. 6 jours à attendre, c'est horrible, c'est long. Mais le jeu va être magnifique. Si vous ne saviez pas encore, si vous n'étiez pas vendu pour acheter ce jeu est une masterpiece, c'est sûr. Ce jeu est magnifique. Le meilleur jeu d'infiltration de tous les temps. Ça c'est sûr et certain. Et voilà. Si vous savez vraiment pas quoi acheter, achetez celui-là. Parce que je pense que ça va être le meilleur jeu de 2015. Meilleur jeu de 2014 aussi. Enfin voilà quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Laissez des commentaires ce que vous pensez. Et ben nous on se reverra la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Et ben salut, ciao.